Nous sommes un centre de certification prométrique et vue, personne vue, qui sont les deux centres les plus importants de certification informatique. Et donc nous avons beaucoup participé justement avec beaucoup de structures à les amener à monter de niveau et arriver à se certifier. On est dans le service informatique. Sachez que l'essentiel des services autour des produits Microsoft, on les fait. Donc, en termes d'installation d'infrastructures, de développement de solutions informatiques en tant que telles, la collaboration, on brasse en réalité la grosse panoplie de services Microsoft. Solide est né d'une initiative. Nous étions des gens de la diaspora et on s'est dit, bon, il y avait l'hésitation, est-ce qu'il faut rester moi au Canada avec mes amis ou bien nous n'avons pas le devoir de venir nous battre pour mettre des services de qualité au niveau du Sénégal. On a fait ce second choix et c'est comme ça que c'est parti. Les difficultés, elles sont nombreuses en termes d'accompagnement des structures. Faut dire ça a été dur, tout a été fait de nous-mêmes. Le développement dans les filiales, par exemple, dans les différents pays, il n'y a pas eu de soutien. Ça a été de fonds propres et c'est assez difficile. Je peux dire le gros problème qu'on a de développement au niveau des PME, c'est l'accompagnement financier des structures. On est obligé de tout faire tout seul. Lorsque vous demandez et posez des projets, on vous demande pratiquement ce que vous demandez en contrepartie pour pouvoir vous le prêter, ce qui n'a plus tellement de sens. Définitivement, je peux vous garantir que au Sénégal, on a des ressources extraordinaires. Pour avoir vécu et travaillé dans les deux environnements, je vais citer le Canada et le Sénégal, nos ingénieurs ont des capacités transverses extraordinaires. Ils travaillent au Sénégal, un ingénieur informatique, c'est pas quelqu'un qui travaille que sur la sauvegarde seulement, c'est quelqu'un qui travaille seulement sur l'annuaire. On considère qu'il est informaticien, il doit tout faire. De ce fait, donc, nos ingénieurs ont vraiment une transversalité extraordinaire. Dans les pays du Nord, les gens sont spécialisés dans un domaine précis et le système dans sa globalité devient efficace. Mais nos ingénieurs sont très compétents. C'est certain que s'il y avait de l'organisation de tout ce secteur, on serait capable effectivement de répondre et d'avoir des structures qui répondraient au même titre qu'ailleurs. Ce que je remarque, c'est qu'il y a, on va dire, une évolution à deux niveaux. C'est vrai que la formation locale ne s'améliore pas, ok. Mais le Sénégalais, vous avez beaucoup de Sénégalais dans la diaspora. C'est une réalité. Hein. Beaucoup de Sénégalais vont et se forment et des fois reviennent ou ne reviennent pas. Mais si on devait quantifier les certifiés en fait sénégalais, les compétences sénégalaises dans la diaspora et ici, je pense qu'on a vraiment le potentiel nécessaire. Mais c'est vrai que c'est un développement à deux niveaux. Dans notre entreprise, tout est à l'énergie solaire, sauf les splits. Nous acceptons, lorsqu'il n'y a pas de courant, de travailler sans split. Ça nous empêche pas de travailler. Donc, mais tous les serveurs, nous avons des salles de formation, tout est au solaire. Nous avions des filiales physiques implantées dans les différents pays que vous avez dit. Depuis, on va dire, depuis deux ans, nous avons réorganisé un peu ces filiales pour avoir deux filiales fortes, Gabon et Côte d'Ivoire, qui permettent de rayonner autour des autres régions. Parce que nous étions partis un peu sur un modèle, il y avait des opportunités, on a essayé d'ouvrir un peu partout, mais nous n'avions pas la force financière de pouvoir justement tenir tout cela. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que 30% de notre chiffre est fait au niveau de ces filiales. Et vu l'évolution de la Côte d'Ivoire, on peut s'attendre vraiment à ce que bientôt, plus de la moitié puisse être fait en dehors du Sénégal. On ne peut pas dire que juste la RSE est vraiment limitée et doit être limitée aux grandes entreprises. Les petites entreprises ont leur part à jouer dans le jeu. Parce que si... combien il y a de petites entreprises, petites et moyennes entreprises, quel est le nombre des moyennes entreprises par rapport aux grandes entreprises. S'il y a juste que les grandes entreprises qui s'investissent dans le RSE, je pense que il y aura encore beaucoup de travail à faire. Et qu'ils le fassent avec les moyens qu'ils ont. Je sais que c'est difficile, je sais que ce n'est pas du tout une priorité d'une PME lorsqu'on a en face les contraintes économiques qu'on a, mais c'est faisable.
c'est faisable à l'échelle de l'entreprise. Ne négligeons pas des petites actions qui peuvent être peut-être anodines, paraître anodines pour une petite PME, mais qui dans l'ensemble, si toutes les PME le faisaient, pourraient avoir un poids assez intéressant. Donc voilà un peu moi le conseil, c'est ne négligez aucune petite action, il n'y a pas de petite action. Aujourd'hui, nous avons des entreprises, je vais dire du Nord, de l'Afrique du Nord ou du Nord un peu plus haut, qui envahissent nos marchés et qui sont financées par en réalité leur État. Moi, je vais chez un client avec mes propres moyens, je vais avec mes propres moyens chez un client les démarcher, pendant qu'une société, allez, je ne vais pas dire tunisienne ou marocaine, est financée par son État, parce que le Sénégal lui a ouvert complètement les portes avec des avantages fiscaux assez conséquents et qui me fait concurrence, qui n'a pas une valeur ajoutée importante. Alors sur ce point précis, moi je ne dis pas qu'il ne faut pas que des étrangers travaillent au niveau du Sénégal, mais s'ils travaillent, qu'on organise ce travail-là. Je veux dire concrètement, si il manque de compétences sur un domaine précis, qu'une entreprise qui viennent travailler, soient obligés de travailler avec une entreprise sénégalaise pour qu'un transfert de compétences puisse se faire, pour que la valeur puisse rester au Sénégal. Mais qu'on ouvre et qu'on laisse comme cela, qu'une entreprise vienne travailler, reparte et revienne ensuite la prochaine fois travailler et faire la même chose, ce n'est pas normal. Deuxièmement, qu'on évalue aussi s'il n'existe pas des compétences déjà locales susceptibles de pouvoir faire le travail. Il y en existe beaucoup. Et à mon avis, si on allait dans ce sens, peut-être qu'on aurait besoin de très peu d'expertise étrangère pour pouvoir travailler. Mais si on le fait, qu'on l'organise. Deuxième point, qu'on nous accompagne quand on part. Au même titre que les Marocains, les Tunisiens sont accompagnés par leur État pour venir travailler chez nous, mais qu'on nous accompagne quand on va ailleurs. Nous n'avons pas d'accompagnement. Alors, nous avons vraiment, effectivement, un travail des chantiers à faire. Le chantier le plus important à Solide, hein, je pense que nous ne sommes pas la seule entreprise dans ce cas, c'est que nous sommes des techniques, hein, c'est une société qui est partie de technique de l'informatique, et donc tous les aspects d'accompagnement au niveau de l'organisation, des procédures, des méthodes, on en a besoin. Quand on grandit vite, on se rend compte en réalité de l'importance de ce... Alors, c'est après être grand qu'on commence à poser les premiers jalons des procédures nécessaires à l'évolution réelle d'une entreprise. Donc voilà, et je sais que nous ne sommes pas les seules entreprises à rencontrer ces difficultés. On grossit, pendant qu'on est petit, la question de procédure et d'organisation ne se pose pas comme des questions cruciales et importantes, mais à un certain niveau, on ne peut plus faire fi de cette organisation, de ces procédures pour pouvoir justement arriver à répondre au marché étranger et à l'externalisation de manière plus générale.